Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 175 de Bleach Brave Souls. Et je suis désolé, ça fait un quart d'heure que j'ai lancé l'enregistrement et je me suis rendu compte que mon micro n'enregistrait pas. Donc j'ai fait les deux premiers chapitres et donc bah, j'ai effacé les rushs et je recommence. Mais donc j'ai fait les deux premiers chapitres déjà, mais on va les refaire ensemble, il n'y a pas de souci. Donc nous sommes sur une histoire secondaire du monde des humains avec Con. Les mésaventures de Con, le barbecue de rêve. Je m'attendais à du graveleux et pour le moment les deux premiers chapitres ça va. Donc on va revoir ça ensemble. Donc désolé, je serai un petit peu moins spontané, mais voilà. Girukia, tu as vu le cahier qui était sur mon bureau? Oh, le cahier de japonais, je te l'ai emprunté. Tu aurais pu demander avant. Ce n'est pas ma faute si tu n'étais pas là quand j'en avais besoin. Et tu aurais pu le remettre à sa place quand on avait fini. Désolé, je l'ai fait exprès. C'est encore pire. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu soupires aussi bruyamment? Ça doit être chouette de pouvoir sortir quand on veut. Je suis un pauvre petit oiseau dans sa cage. Non, un joli lion plein de chagrin. Ce qui ne t'empêche pas de la ramener, apparemment. Bing, prends ça. J'aimerais tant pouvoir sortir et jouer tout mon sou pour une fois. Je veux m'amuser et manger dehors. Allez, je veux sortir rien qu'une journée. Je sais Ichigo, laisse-moi emprunter ton corps. Tu crois que c'est si facile? En plus, tu causes toujours des problèmes. C'est moi qui dois arranger tes bêtises, tu sais. Allez, juste une journée, je suis tellement frustré. Un holo, on y va Ichigo, ouais. Ça tombe bien, non, toi qui voulais emprunter mon corps. Tu as intérêt à être sage, j'ai resté à l'intérieur, compris. J'ai toujours pas le droit de sortir d'ici. Ah, j'ai trop envie de sortir. Si je fais juste une promenade, ça devrait pas poser de problème. Hein. Je suis sûr que ça le dérangera pas tant que je reste tranquille, là où il peut me voir. Allez, faut que je le rattrape alors. Ichigo, Rukia, Orihime, cette présence spirituelle, c'est un holo, n'est-ce pas? Oui, il n'est pas loin d'ici. Je vais vous aider. Merci, j'ai comme un mauvais pressentiment. Kon va probablement s'attirer des ennuis si on ne rentre pas vite. Quoi? C'est rien. Bref, allons nous occuper de ce holo. En fait, tu es sûr d'avoir le temps de nous aider, Orihime? T'étais pas en route pour faire quelque chose? Non, je revenais juste des courses. J'allais préparer le dîner quand j'ai remarqué que je n'avais plus de sauce aux anchois. Comme il fait froid aujourd'hui, je voulais faire un ragoût avec du gingembre. Et t'as vraiment besoin d'une sauce aux anchois pour ça? Qu'est-ce que tu fais là, Orihime? Con, espèce 2, je t'avais dit de rester à l'intérieur. Et t'avais aussi dit que tu sortais affronter des holos. Alors pourquoi tu es en train de papoter avec Orihime? On profite de sa jeunesse, c'est ça? Ça doit être chouette. C'est pas juste, pourquoi il n'y a que toi qui t'amuses? Je veux voir des gens et aller manger moi aussi. Alors dis-moi, Con, qu'est-ce que tu ferais si tu avais une journée entière pour toi? Hein, ben... J'irais me coller à Orihime, et puis à toi, et puis... C'est donc bien hors de question. Oh non, je rigolais. Faire un bon repas et bavarder avec tout le monde, ça serait largement suffisant.
faire un bon repas et bavarder avec tout le monde, hein? J'ai une idée, Ichigo, et si on faisait un barbecue? Quoi? Orihime? Allez, Ichigo, juste une journée, on peut faire un barbecue, s'il te plaît. Bon, d'accord, j'en suis pour cette fois. Voilà, alors là, là, ça m'avait fait extrêmement rire. Parce que, donc déjà, Orihime, elle a une super idée. Voilà, oui, c'est une très très bonne idée. Si Ikon veut faire un repas, puis que ce soit très très social, un barbecue, c'est toujours le truc. Et ça met même tout le monde d'accord, parce que Ichigo, ben là, il y a de la bouffe, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la solution à tous les problèmes. La bouffe. Un bon barbecue, voilà. Je suis désolé si vous entendez mon chat miauler, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il arrête pas. Donc voilà, donc c'est assez cocasse, mais voilà quoi. Je propose qu'une journée, ça ne, je suppose qu'une journée, ça ne pose pas de problème. Ouais, je vais enfin pouvoir m'amuser. Tu as intérêt à nous aider pour tout préparer, bien sûr. Super, on va s'éclater. Je suis désolé. Attendez, juste un instant. Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un barbecue? Ouais, alors oui, alors pareil, cette blague du barbecue, c'est une blague extrêmement bof, les gars. Tu ne sais pas? Et ben, d'après le contexte de la conversation, j'ai compris qu'il était question de nourriture. En gros, c'est ça. Serait un barbecue, c'est un événement pendant lequel les gens se rassemblent dehors pour partager un repas. On fait cuire des choses comme de la viande et des légumes et on mange en profitant de la compagnie des autres. Comment tu peux en savoir autant sur ce monde, toi? Il a probablement beaucoup de temps libre ces derniers temps. J'ai tenu le rôle d'Ichigo pendant toute ta détention dans la Soul Society, Serette. Les gens auraient des soupçons si je ne savais pas certaines choses. Tout ça, c'est grâce à mon dur labeur, vous savez. Tu as sans doute raison. Faire semblant d'être toi, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. J'aimerais bien que tu sois un peu reconnaissant pour une fois. Ok. Bien, maintenant, rassemblons les convives pour le barbecue. Qui est-ce qu'on pourrait inviter? Après tout, tu vas être là. Pour l'occasion, si on invitait des gens de la Soul Society, l'identité de Kon ne posera pas de problème à des Shinigami. Excellente idée, Serette. Alors, je vais aller à la Soul Society pour en parler à quelques personnes. D'accord, compte sur nous pour ici. Dans ce cas, je vous laisse vous occuper des invitations pour le monde des humains. Bon, allons-y, Ichigo. Ouais, mais reste bien dans le sac. Alors, là, c'est ce que je disais, là, je réfléchissais donc aux différents Shinigami qui pourraient être drôles lors du barbecue. Donc c'est un petit peu un prognostic pour la suite de l'histoire. Matsumoto, c'est sûr, elle s'en mettrait plein le bide et elle se saoulerait au barbecue certainement. Kyoraku, c'est pareil, s'il vient, c'est sûr qu'il va se pinter. Dans le genre aussi qui sont des gros mangeurs, il y a Omaeda. Et j'ai pensé aussi à un autre Shinigami. Oui, à Yachiru, évidemment. Yachiru, si elle débarque, elle va faire que des bêtises au barbecue, c'est quasiment sûr. Après, pour s'occuper du feu, évidemment, bon, Yamamoto, il se pointerait pas au barbecue, ça c'est un petit peu évident, c'est pas le type du personnage. Mais je pensais peut-être à Momo. Vu que c'est le seul des impacto de feu, à part le commandant en chef, pour gérer le feu, peut-être que Momo, ça serait sympa. Voilà, c'était un petit peu le. J'avais fait un petit peu dans ma tête la liste des Shinigami qui pourraient être sympas lors du barbecue, quoi.
Orimé et le binoclard. Eh ben, en pleine ville, en voilà un étrange duo. Comme tu dis, vous faites les boutiques. Oui, il nous fallait un tissu, il nous fallait du tissu pour le club de travaux manuels. Et vous, oh, vous préparez le barbecue dont on a parlé. Un barbecue? Allez, c'est décidé pour bientôt. Ça a l'air cool, hein? On fait, en fait, on cherche d'autres gens à inviter. Tu peux venir si tu veux. Non, merci, je. Mais si, tu devrais venir, Oriou. Je pense apporter plein de choses à manger. Un barbecue tous ensemble, ce sera amusant. Bon, après, voilà, Ori, mais le truc, c'est qu'on connaît un petit peu ses talents culinaires. si c'est elle qui ramène la nourriture du barbecue, ça risque d'être spécial. Bon, si tu insistes, je vous préviendrai quand on aura fixé le lieu et la date alors. Il semble que beaucoup de gens seront là. Le matériel va prendre beaucoup de place, donc on doit trouver un endroit suffisamment grand. Et il faut prendre beaucoup de viande aussi. Je veux manger à me faire péter la panse. Donc là, pour l'endroit, moi je pensais chez Ourara. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. C'est qu'ils vont faire ça devant la boutique d'Ourara, où je me dis aussi dans son sous-sol, même dans son sous-sol, c'est un sous-sol quoi. C'est même pour un barbecue, un sous-sol, c'est pas ouf quoi. Ben voilà. Donc il faut trouver un endroit et faire des courses. On se prépare encore, on se sépare encore. Où est-ce qu'on trouve de la viande à barbecue au fait? Ouais, alors ça c'est une question idiote, hein. Il va à un hypermarché, ça suffit. Et Oriou, t'as entendu ça? Oui, ils vont faire un barbecue. Allons le dire au patron. Voilà. Et donc c'était là que je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait pas. D'ailleurs, je vérifie, mais. Ouh, il doit être haut par contre mon. Non, ça doit être bon. Ça doit être bon. Donc à partir de là, je n'ai absolument rien vu de l'histoire. Bien, il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit et à acheter à manger. Commençons par l'endroit. Il faut que ce soit assez grand pour beaucoup de monde et que je puisse bouger sans être vu par n'importe qui. Ce n'est pas une mince affaire, en particulier la deuxième partie. Bon, vous avez des idées. Il y a la berge de la rivière par là-bas. Allons y jeter un œil. Je me demande s'il y aura un endroit à l'abri des regards. On verra bien. Pas la peine d'y réfléchir dans le vide, allons voir. Ah, il y a une petite incohérence au niveau du niveau là. Est-ce qu'ils sont en pleine ville et on se retrouve dans les canyons Vous vous donnez du mal à ce que je vois. Ourara. J'ai entendu parler d'un barbecue. Oui, nous sommes en plein préparatif. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Et si je vous offrais le devant de mon magasin pour faire votre barbecue? En plus, je vous prêterai le matériel gratuitement et je rajouterai même une tonne de nourriture en bonus. Et vraiment? Oui, vraiment. Mais. Uniquement si vous me battez au combat, évidemment. Si vous perdez, vous nettoyez l'entrepôt du magasin. Hein? Mais je vous laisserai utiliser l'emplacement et le matériel, même si vous perdez. Attends, attends, je comprends rien à ton histoire. Bien, c'est parti! Ah, j'ai gagné. Ah, tu m'as battu.
Là, n'oublie pas ta promesse. Tu n'as pas le choix, comme promis, je vous prêterai tout gratuitement. Ta générosité m'inquiète un petit peu. Oh non, c'est juste une preuve de ma reconnaissance. Quelques jours plus tard. Enfin, c'est l'heure du... Hein? Alors là, j'ai pas le mot. Farnienté. C'est l'heure du farnienté. Je n'ai pas ce mot, je vais juste le rechercher rapidement. Je ne connais pas ce mot. Farniente, L'oisiveté signifie littéralement ne rien faire en italien. Il est associé à une certaine douceur de vivre. Ok. D'accord, ok, d'accord. Eh ben écoutez, j'ai appris un mot de vocabulaire. Quoi? Serait aurimé, faisant griller de la viande. Tu es sûr que ça ne te dérange pas d'avoir préparé tout ça? Ne t'en fais pas, je veux vraiment te montrer ma gratitude, c'est tout. Sympa comme coup de main. Non, contente-toi d'accepter et d'être reconnaissant. Oui, tu as raison. Bon, Renji, ouais, bon, Renji est de la soirée, mais je vois pas. Je vois pas trop de running gag qu'il pourrait y avoir avec lui. Oh, j'ai failli oublier, j'ai apporté quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. En fait, je travaille sur un outil spirituel comestible. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. J'espère que tout le monde y goûtera. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Les effets sont variés et nombreux, donc ce sera la petite surprise. Amusant, non? Ouh là 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 là! Ouh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Flippant, oui, ouais, voilà, ouais. Il y a aussi différents arômes, bouillon, caramel et bien d'autres. Et c'est pas le goût qui m'inquiète. Enfin bref, ouvrez la bouche s'il vous plaît. Voix minute, ne t'approche pas de moi. Que se passe-t-il là-bas? On s'en fiche, amenez la bidoche. On dirait que c'est prêt. Tiens, régale-toi. Orimé me sert à manger. Je n'en suis pas dingue. Je n'en suis pas digne, pardon. C'est toi qui as dit que tu voulais un barbecue. Mange pendant que c'est chaud. Orimé, serait. Je sais pas qu'un tel bonheur était possible. Si c'est un rêve, j'espère ne jamais me réveiller. Bon, j'attaque alors. Ouais, mais mange ça. C'était juste, j'ai failli rentrer. Ça a failli rentrer dans ma bouche. Ichigo, quelque chose vient de voler par ici. Ça a atterri dans la bouche de Kon. Qu'est-ce que c'était? Oh. Kon, ça va? Oh, qu'est-ce que ça donne, mon cher Kon? Celui-là. Et la sauce extra pimentée, et il permet à l'utilisateur de ressentir la pression spirituelle sur une zone plus étendue. C'est pas le moment. En plus, le goût et l'effet n'ont rien à voir. Il fallait que ça finisse comme ça, pourquoi? Quoi, ça finit pas comme ça quand même. Non, ça finit simplement comme ça. Je pensais qu'il y aurait des. Oh non, il y a une suite à ça. Ah non, c'est. Oh, dommage. Et moi, j'avais plein d'idées de blagues, moi.
Moi, j'avais plein d'idées de blagues avec bon, des trucs. Enfin, c'est plus des running gags qu'autre chose, mais Matsumoto qui se peinte avec Kyoraku. Comment y a Chirou qui arrête pas de faire des bêtises autour du barbecue. Y avait plein de choses à faire. Omaeda qui se goinfre comme Jaja. Y avait plein de trucs à faire. Y avait plein de blagues à faire, les gars. Même si c'est léger, même si c'est pas forcément très très original, il y avait plein de blagues à faire. Je sais pas moi, même allez, si tu veux, la blague à l'extrême, c'est que le barbecue il soit fait avec Ryujin Jaka, quoi. C'est que voilà quoi, qu'ils invitent le commandant en chef et que le commandant en chef il grille le barbecue avec. Enfin, il allume le barbecue avec Ryujin Jaka, quoi. Ça serait ouf. Enfin voilà quoi, ou même s'il fallait pas le faire avec, avec Yamamoto, au moins le faire avec Inamori, Momo Inamori quoi. Je sais pas quoi. Ou alors que. Si, une blague qui aurait bien pu marcher par exemple, c'est Renji qui essaie d'allumer le barbecue en lançant un boulet rouge, et que le boulet rouge lui saute à la tronche parce qu'il est nul en Kido. Voilà le genre de blague qui aurait pu fonctionner super bien. Bon, je suis un petit peu déçu. On est qu'à 21 minutes, on va essayer d'entamer l'histoire suivante. Il y a trois histoires au total hein, que je dois tourner aujourd'hui. Donc je vous propose le Hueco Mundo. Gin en balade. Je sais jamais hein, combien de temps ça dure. Mais on va enchaîner, résultat. On va enchaîner. Que faire? Eh ben, tu as l'air soucieux, qu'est-ce qui se passe? Tu m'adresses la parole, voilà qui est exceptionnel. Allons, ne le prends pas comme ça, et dis-moi plutôt ce qui se passe. J'avais promis de me rendre chez Baragan pour jouer aux échecs avec lui, mais je dois m'occuper d'une affaire urgente. Si vous cherchez un joueur d'échecs, je suis là. Je cherche des adversaires aux échecs en plus en ce moment, par pitié quoi. Non, sérieusement, j'ai très peu de gens dans mon entourage qui jouent aux échecs et ça me manque de faire des parties. Enfin bref. Je me demandais qui pourrait y aller à ma place. Guin, pourrais-tu t'en charger? Mais c'est avec toi que Baragan veut jouer aux échecs, non? Si j'y vais, ça ne sera pas pareil. J'en suis bien conscient, mais il faut vraiment que je m'occupe de cette affaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon, si tu le dis, je veux bien, mais ça sera à charge de revanche. Bien, je compte sur toi. Baragan, joueur d'échecs. D'accord, pourquoi pas. C'est après tout. Faut avouer les échecs, moi c'est un jeu que je kiffe, moi les échecs. Bon, je fais de mon mieux pour aller chez Baragan. Mais ça fait un moment que j'ai. Excusez-moi, attendez. Ouais, c'est bon. Mais ça fait un moment que j'ai l'impression de tourner en rond. Et j'ai une idée du responsable. Ouais, évidemment. Eh bien, que fais-tu ici? Dis-moi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à déplacer les couloirs. Absolument. Et ce quelqu'un, c'est moi. C'est bien ce que je pensais. Je dois sortir pour m'occuper de quelque chose. Tu veux bien remettre les couloirs à leur place? Allons bon, alors que j'étais au milieu d'une expérience. Qu'est-ce que tu fabriques? J'utilise une télécommande de mon invention qui me permet de contrôler la configuration des couloirs. Non, je voulais dire, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec un tel mécanisme? Et puis d'abord, si tu.
Si tu peux t'amuser autant que tu veux dans ton palais, ne le fais pas ailleurs. Tu sembles rabaisser mes talents scientifiques au rang de simple jeu, cela est fâcheux. Ce n'est pas ça le souci. Pour dissiper ces affreux doutes, je vais te montrer de quoi je suis capable. Mais non, moi je veux juste sortir. Oh bon, c'est expéditif. Bien, ensuite nous allons. Ça suffira, merci bien. J'ai eu assez de tes talents scientifiques. Ça ne me dérange pas du tout, je peux continuer. J'ai quelque chose à faire dehors, j'aimerais pouvoir sortir maintenant. Dans ce cas, si je relie ce couloir et ce couloir-là, on obtient un raccourci. Je vais me faire un plaisir de les connecter immédiatement. C'est inutile, ce n'est pas loin. La vraie valeur de la science se relève dans sa recherche de la commodité et de la rationalité. Développer une technique et finir par ne pas s'en servir, il n'y a qu'un mot pour décrire cela, idiotie. Ouais. Bravo. Cela fait un moment que toute cette science m'empêche d'avancer. Voyons si j'inverse l'arrivée d'énergie, puisque je te dis que c'est inutile. Il insiste, hein? Bon, où est-on? Tiens, où est passé? Ça y est, la poro. Bah, au moins comme ça, je peux avancer. Mieux vaut ne pas chercher à comprendre. Tiens, qu'est-ce que tu fais par ici? Je me rends chez Baragan pour une seconde. Si Loupi est là, ça veut dire que Saya Laporo m'a envoyé complètement à l'opposé de l'endroit où je voulais aller. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je réfléchissais, c'est tout. Ne fais pas attention. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais dis-moi plutôt. Tu as un peu de temps? Absolument pas, je dois m'occuper de quelque chose pour Kaname. Je vois, tu te fais exploiter par le supérieur Tosen. Non, je ne me fais pas exploiter. Les adultes se rendent parfois des services, tu sais. Tu parles d'une réponse, que c'est décevant. Dis-moi, ça fait longtemps que je me pose la question, tu es fort ou pas? Comment dire, autant arrêter cette conversation tout de suite, il n'en sortira rien de bon. Laisse-moi vérifier si tu es fort ou pas. Tu n'as rien d'autre à faire de toute façon. Puisque je te dis que je suis occupé. Ouh, bah c'était rapide. Eh ben, dites-moi, l'ambiance est chaude. Et où vas-tu comme ça? Désolé, Loupi, je n'ai pas le temps ni l'envie de me faire embarquer dans ce genre d'embêtement. Tout ça m'a fait perdre un temps fou. Pressons le pas.
Ouf, enfin arrivé. Je fais en vitesse une partie d'échecs avec Baragan et je rentre. Tiens, tiens, un visage qu'on voit rarement par ici. Kaname ne peut pas venir, je le remplace. Tu veux dire que tu es là pour jouer aux échecs avec moi? C'est cela même. Une petite minute. Avant de te laisser passer, je vais vérifier si tu es digne de jouer avec Sa Majesté Baragan. Pardon. C'est incompréhensible, incompréhensible. J'ai été vaincu, lessivé, moi. Il n'y a rien d'incompréhensible, c'est le résultat de notre duel, c'est tout. Pas si vite, ce duel n'était pas suffisamment beau. On recommence. Bon, ça devrait suffire, non? Tu es satisfait? 5 défaites consécutives, tu es allé trop loin. M'infliger ça à moi, la première faction de Sa Majesté Baragan, tu es allé beaucoup trop loin. Écoute, pour un simple jeu, ce n'est pas la peine. Un simple jeu, parce qu'un duel contre moi, tu appelles ça un simple jeu. Tu es allé beaucoup, beaucoup trop loin, en garde. Eh ben, tu as l'air épuisé, Guine, que t'est-il arrivé? J'ai rendu un service à Kaname, mais ça n'a pas été facile. Ah oui, justement, j'ai moi aussi un service à te demander. Quoi donc? Je voudrais que tu ailles chez Noitra et... Aujourd'hui, on ne pourrait pas remettre ça une autre fois. Ah, surtout chez Noitra, bon. Eh ben, on est à une demi-heure. Qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, tirage, ça vous dit? On fait un tirage et je ferai la troisième histoire secondaire là tout à l'heure. Je le tournerai après. J'ai beaucoup de tickets 5 étoiles à faire, je vous avouerai. Et quelques tickets Brave Souls aussi. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va tirer déjà les tickets 5 étoiles. On va voir un petit peu ce qu'on obtient. Donc c'est des 5 étoiles garanties. La question c'est est-ce que c'est des nouveaux 5 étoiles? Ah, Wonderwise. Mais je l'avais déjà. Ah, Chigo. Ah non, Tenzan Zangetsu. Ok, donc je l'avais déjà aussi. Un magaï que j'ai déjà en trouzaine d'exemplaires aussi. Tada junsui ni
Kaku no Sada. Yakuya. Elle, ticket d'anniversaire. Les impacts de Kyoraku. Hey, je ne l'avais pas. Enfin, un nouveau. Enfin. Bon. Les tickets de 4 et 5 étoiles. On va voir si ça nous tire un 5 étoiles. Ah. Attendez, excusez-moi, je mets juste en pause un instant pour répondre à mon téléphone. Ok, c'est bon, je suis de retour. Et puis ben là, les tickets de loterie Baf Souls, alors là, on va y aller, hein. On va y aller. Ah, c'est le bras droit de... Ouais. Shojiro. Que j'avais déjà. Bon. Suivant. Oh, c'est Sensen. C'est beaucoup de 5 étoiles que j'avais déjà. Hein. Oh, bah dis donc. Ah non, ah, je pensais que c'était le numéro 0. Ensuite, j'ai oublié son nom. Je l'avais déjà, Roniero. Non, c'est pas drôle. Pas pour ce coup-ci. Ah, ça veut pas, hein. Ça veut plus. Ah, quand même. Ruichi. Que j'avais déjà. Itak.
Allez, encore 5 tirages. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. J'aurais eu qu'un seul nouveau 5 étoiles, je crois. Allez, dernier tirage. Et c'est un nom. Et c'est un nom. Bien. Bien, bien, bien. Bah écoutez, hop. On va faire les tirages de cône et on va se terminer et on va se s'arrêter là-dessus. Attendez, on va faire parce que là c'est une nouvelle loterie que j'ai pas encore fait. Non, bon, allez, hop. Tant pis, tant pis. Je peux en faire un deuxième. Je vais tenter. Je tente, je tente. C'est des nouveaux 5 étoiles. Autant les essayer. Oui. Bah ok. Donc j'ai le nouveau Kanonji. J'ai le nouveau Don Kanonji. Ça c'est cool. Bah c'est cool. J'ai pas regardé outre mesure ce qu'il valait. On va voir un petit peu. Non, pas là. Non. Là. Hop. Oui, vous avez vu, ils ont sorti Rukia, la version Dark Rukia en 2 étoiles. Je l'ai maxé, puis j'ai pas eu le temps de la faire bouffer. Je tenais aussi un petit peu à vous la montrer. Je vous la montre 2 minutes, attendez. Alors, le 5 étoiles qui est sorti récemment, par contre, c'est une réédition déjà de l'ancienne, donc c'est pas une nouvelle 5 étoiles. Ils ont pas sorti une nouvelle Rukia 5 étoiles. Mais purée, qu'est-ce qu'elle claque ça? Ça, c'est à la fin du film Fate to Blake. Elle a cette apparence. Et purée, elle défonce quoi. Je trouve génial. Je trouve ça génial. Alors, 5 étoiles, Don Kanonji. Qu'est-ce qu'il vaut ce perso? Temps de recharge des attaques puissantes. Ouais. Attaque bleue. Monsieur. J'avais pas vu. J'avais pas vu la bagnole. Ah, oh, c'est quoi cette horreur? Oh non, mais ça doit être quelque chose, ça, purée. Régénération de l'équipe. Résistance au gel. Excusez-moi. Est-ce qu'il va annuler des holos? Ok, d'accord. Il y a une attaque, là, qui cause du feu, je sais pas ce que c'est. Ok, ok. Bon, je voulais juste voir, je veux juste le feed tout de suite. Comme ça sera fait. Ah. Voilà.
Je lui mets juste quelques. Ouais, je vais le maxer tout de suite, je vais le passer 6 étoiles tout de suite. Alors j'ai absolument rien fait de l'histoire. Ah zut, il manque des pistes rouges. Bon, ok, c'est pas grave. Du moment qu'il est quelques niveaux, que je le fasse pas bouffer par erreur, ça devrait être bon. Bon, on va faire con et on et comment? Je m'occupe de tout ça et je vous reprends après pour la suite. Donc, un maximum de. Volonté du coup. Eh ben, j'en ai déjà une. Une deuxième. Ça tombe, ça tombe. Une troisième, ça me fait un personnage. Eh ben, ça tombe à chaque fois. Voilà. Donc toujours 4. Une cinquième. Oh, donc j'étais à 4. Non. Oui, c'est ça. Donc 6 et 7. Donc ça me fait 2 personnages et un de plus. Ça me fait 7 volontés du coup, hein. C'est bien ça, j'ai bien compté. Hein. Et bah 2 de plus, ça fait 9. Ça fait 3 personnages. Et bah. Et 2 de plus, ça fait 11. Douze, ça me fait 4 personnages. Et 13. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Voilà. 13 volontés du Goku, c'est pas mal, hein.
Allez, il m'en faudrait une 15e. Ça me ferait 5 personnages que je pourrais libérer. Décidément, ça veut plus tomber maintenant. Ah, voilà ma 15e. Ça fait 5 personnages libérables. Encore une, ça me ferait 18, ça veut dire 6 personnages libérables. Allez, on approche à la fin de mon stock. Dernier tirage. Allez, une dernière volonté là. Oui! Eh ben c'est... non, 18. 18 volontés de Yogyoku, ça me fait 6 personnages libérables. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Bah, je suis content. Bah, je suis content. Les tirages d'ensemble ont plutôt été bons. J'organise tout ce merdier. Et je vous retrouve pour l'épisode. De toute façon, là, je peux pas jouer. Je suis au-delà de ma limite de personnage. Donc, à tout de suite. Ah, bah, pour vous, à la semaine prochaine, et pour moi, à tout de suite.